ngai pona kosolola na bino na oyo etali République démocratique du Congo, mingi mingi oyo etali actualité politique en République démocratique du Congo. Yango tozali kopesa bino mbote na bisika tu bozwami. Alors Jeff Badibanga, c'est mon nom. On est là pour partager avec vous l'actualité qui vient de tomber directement du Rwanda. Toyebisa kibino Paul Kagame bilia kiye bikoki batebele babandaki okanisa ete tozali kosala bongo ba blague, mais lelo ndenge nali kosolola na bino boye. Sachez que le Rwandais vient de se révolter contre Paul Kagame. Le Rwandais ba outi ko se révolter bongo contre Paul Kagame. Nazali na déclaration ya création ya un groupe armé plutôt au sein du Rwanda. Donc awa boyebake oyo Rwanda salaki en République démocratique du Congo, ba Rwandais bango moko bazali ko se plaindre na mabe Rwanda azali ko sala na sous-région. Je vais vous lire ici en direct na Vitesse Télévision et Congo Flash Télévision, notre chaîne partenaire, la déclaration ya ba Rwandais au niveau ya Rwanda oyo bazali bongo ko contester la gestion de monsieur Paul Kagame. Ozali koloba bongo ya solo, oui monsieur, boyebike le communicateur de la République, lorsqu'il arrive, il vous donne l'information si fiable. Alors, eza makambo bele na lingina solo la nabino na ngonga oyo. Je vous avais dit que la fin du Rwanda est proche. Nabisa kibino, la fin du régime Rwanda est proche. Aujourd'hui, il y a la création. Il y a FRD. FRD, Zali, rébellion créée contre Paul Kagame. Nabisa kibino, Biliaki Kagame Bikoki. Ba Rwanda, Bazali fâché contre Tiweri Abandeko Nabango. Oh, Kagame Ali Kotinda. Par force en République démocratique du Congo. Le travail du Sukoi, le travail des drones militaires positionnés par nos forces armées à niveau il y a Nord Kivu. Bah oh, bah landingai, bah yoki, comment est-ce que j'ai expliqué la débandade, le débâcle oyo bah M23 bazui bah Nyarwanda bazwaki. Natongwa lelo ezalaki bambo bisika wapi ba position nyonso ya ba M23 ba foudroyer yango. Ba foudroyer yango, la plupart des jeunes rwandais ba likoti kabomo inabango na bitumbo Paul Kagame likoti ndika bango par force. Ndenge nakosolola na bino boye, chers compatriotes, le Rwandais se révolte. Ba Rwanda balobi la politique ya Paul Kagame. Le loyo dans la sous-région, le Rwandais n'est pas le bienvenu dans chaque pays qui entoure la sous-région. Boye bake entre les frontières du Burundi et du Rwanda. Kimia ezate. Rwandais okotaka na Burundi facilement zate. En République démocratique du Congo, bisika wapi Rwanda zali kotinda Paul Kagame akotinda bilenge na makasi, aliko tindi kabango na makasi, lelo bilenge wana baliko kufa neti banyama, baliko kufa neti bampuku, neti banzizi, baliko beta bango d'une manière spectaculaire par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cela créé déjà une mésentente au niveau ya Rwanda. Les officiers rwandais et Kagame babandaki koyokanati. Je vous avais donné ici la déclaration de James Kabarebe qui appelait tout le Rwandais à l'imiter. On a koyebisa bango que aujourd'hui aucun Rwandais n'est le bienvenu dans le pays de la sous-région. Et les gouttes d'eau ont sali que vase débordé et sali de fait, il y a ma casse
na tuerie oyo ba bobi ba nya Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Ba otu ba yaki, ils ont subi le frappe chirurgical des forces armées de la République démocratique du Congo. Naïb Sibino, je vais vous lire la déclaration de la création d'une rébellion. Le Rwandais qui se révolte contre Kagame et les sentinelles, Ngungi, M. Paul Kagame, qui a voulu se mesurer au président le plus costaud du monde, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton. Naïb Sibino, il est né, ce qui te donne à poser à venir, Nabiso, soutenant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, la réalisation, ou soit, le Rwandais se sont révoltés. Donc, on va répéter, laissez-moi vous lire. La déclaration, il y a rébellion, il y a le Rwandais contre le régime sanguinaire de Paul Kagame. Yoka combat rébellion, ango. Force rwandaise pour la République et la démocratie. Déclaration de Moussanzé. Du 10 novembre 2023, bar numéro 001, bar novembre, bar 2023, créant des forces rwandaises pour la République et la démocratie, FRD. Ote, na lobakite, na kotanga. Na web, il s'appelle le technicien, il y a Vitesse Télévision, na Congo Flash Télévision, notre chaîne partenaire, il y a cause de déclaration, il y a la bino na ba commentaire, bon mon ayango. Sur Vitesse et Congo Flash, c'est la vérité sur vérité. Donc, lui, qu'on peut s'abîmer l'actualité si réfiable. Depuis sa prise du pouvoir en juillet 1994, le Front Patriotique Rwandais, FPR, avec Paul Kagame en chef, a délibérément instauré un système politique fondé sur une idéologie suprémaciste, raciste et tyrannique. Ce système n'est en rien différent du parti féodo-monarchique Union nationale rwandaise, INAR, qui signifie le Rwanda avant la révolution de 1959 et son accession à l'indépendance en 1962. En effet, tout comme l'INAR, l'actuel système FPR se distingue depuis sa triomphe en 1994 par une dictature plutôt pure et dure, l'intimidation des populations, des éliminations physiques, l'injustice, l'oppression, ainsi que des violations permanentes des droits humains. L'espace politique est complètement fermé. La liberté d'expression n'existe plus. Les emprisonnements arbitraires, la torture et les disparitions forcées, le non-respect de la constitution et des lois, la terreur au sein de la population, le massacre des réfugiés rwandais dans leur pays d'accueil, ainsi que la politique de division du peuple, tout cela est devenu monnaie courante. Je suis que dans le premier paragraphe de la déclaration. Je demande à Roméo na Kotché la Bino yango na commentaire. Tout en ensemble avec vous. Bon mon le lengenini. Oyo, le communicateur de la République, Aïe Sakabino, Aïe Sakabino, Tokota Kanasia Mai. Nous avons les canaux officiels qui nous donnent les informations fiables. Oyo na lobaki, il y a des jours. Ça se concrétise aujourd'hui. Ça se concrétise aujourd'hui. Bah, Rwandais, Bazali, comment on a Kagame, est un dictateur. Quelqu'un qui élimine le Rwandais physiquement. Quelqu'un qui amène la violation des droits humains. Quelqu'un qui isole Bango. C'est ce que le premier paragraphe de la déclaration des forces rwandaises pour la République et la démocratie, Baliko, reproché na sanguinaire. Le tyran Paul Kagame. Comme si cela n'était pas suffisant. Grave, le régime FPR, dans sa folie de grandeur, conçoit une politique de déstabilisation de la région en général et des pays voisins en particulier. Et cela
il le fait par la création des groupes armés en République démocratique du Congo et au Burundi. Il continue à provoquer et alimenter des tensions et des guerres incessantes dans ces pays, alors que leurs peuples ont historiquement été frères du peuple rwandais. La résurgence du système politique féodo-monarchique identique au troisième célèbre INAR parti du Mwami a marqué la fin des acquis de la révolution rwandaise de 1959 qu'une écrasante majorité des Rwandais, toutes ethnies confondues, Twa, Tutsi et Hutu, avaient conquis au prix d'immenses sacrifices. La dite révolution avait permis la proclamation de la République, l'instauration d'un régime démocratique et populaire avec à la clé de leaders légitimes et un pouvoir apaisé, ce qui avait permis de sauvegarder le droit des citoyens et pour la première fois dans l'histoire du Rwanda, l'égalité de tous devant la loi. Le Rwanda ici reproche na Paul Kagame, s'il vous plaît. Bali qu'on reprochait et Kazali qu'on créait un groupe rebelle au sein de la République démocratique du Congo et au Burundi. Voilà pourquoi on a débit à l'émission où on a dit ça qui dit non, que Rwanda a Zali bienvenu à Burundi. Rwanda a Zali bienvenu à la République démocratique du Congo. La politique, il y a déstabilisation, il y a sous-région. Et Zala qui n'a pas beaucoup à Paul Kagame, le tyran, le sanguinaire. C'est lui qui a alimenté le guerre qui se sont succédé à l'est de la République démocratique du Congo. La plupart des politiciens, même le régime passé, est outi à Rwanda. Le M23, tu sais que le dit haut et fort, le M23 est soutenu par le Rwanda. Le Leza Barwande Bangomoko, Bangonde Bazaliko dénoncé. J'ai lu la déclaration de la création des forces rwandaises pour la République et la Défense. Le régime du FPR a rejeté avec mépris tout appel au dialogue pour trouver une solution pacifique aux problèmes sociopolitiques et économiques que vit notre peuple. Nous pouvons citer à titre d'exemple le récent effort conjugué des partis d'opposition et la communauté rwandaise en exil en janvier 2023 qui ont en vain appeler le gouvernement rwandais à la table des négociations. Leur noble et pacifique demande visait la cessation de tout soutien politico-militaire par le régime du FPR de groupes armés impliqués dans la déstabilisation de la sous-région comme en RD Congo. Les CNDP, M23-1, Red Tabari et M23-D actifs à l'est de la République démocratique du Congo actuellement. Ces partis demandent également, pour la énième fois, de mettre fin aux exactions et aux crimes du régime des FPR à l'intérieur du pays, mais aussi au-delà de ses frontières, avec le massacre, la menace de mort et les disparitions dont sont victimes les ressortissants rwandais vivant dans les pays de la SADC et ailleurs. Et dans leur communiqué du 27 février 2023, le parti d'opposition armé ont à leur tour appelé en vain à l'ouverture des négociations par le biais d'un dialogue inter-rwandais hautement inclusif avec le gouvernement rwandais, ce qui aurait permis de trouver une solution pacifique au problème des réfugiés. Ainsi, vu la souffrance, La ndanga malam. Je vais revenir pour commenter que cette déclaration, révisa qui dit tout. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus aimé. Na le banet de konanga mubenga chumbubui. Le régime de Kagame tend vers sa fin. Kagame et Vivia qui est bikoki, je l'avais dit. Boyo kasikolo là où et sengonanga yezali. Ainsi, vu la souffrance et le désespoir du peuple rwandais, et considérant que le régime du FPR
reste intraitable. Malgré tous les efforts fournis par les partis d'opposition, les dirigeants des pays de la sous-région et de la communauté internationale, qu'il semble impossible d'arriver à une solution pacifique au problème rwandais. Nous, Yoka, la jeunesse rwandaise, hommes et femmes, tant de l'intérieur du pays que de l'extérieur, avons pris la décision que le moment est venu de répondre à l'appel du peuple rwandais et prendre notre destin en main, cela pour toutes les voies et moyens reconnus par le droit international. Grâce aux efforts ayant suivi les communiqués si haut mentionnés, la bonne collaboration des différents commandements de forces et des leaders de politique, et suite à l'appel général des réfugiés et du peuple rwandais opprimé tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur pour leur protection et libération du joug du FPR, décision est prise de créer les forces rwandaises pour la République et la démocratie FRD-INGABO-ZA-RUBANDA et d'officialiser leur mise sur pied en séjour du 10 novembre 2023. Notre lutte vise fondement la restauration des acquis de la République d'un État démocratique où le droit et le respect est allié. Je m'arrête par là. Bokotanga déclaration tout. Na lobby. Romeo Otien na bino yango na commentaire. Il n'y a pas à dire. Les Rwandais, ils se sont rendus compte de la souffrance de Paul Kagame à lui faire souffrir le Bango. Les Rwandais prennent la décision de tourner le dos à Paul Kagame, de créer une rébellion pour libérer le peuple rwandais. Vous avez suivi ici que Banda CNDP, Banda M23-1, Banda M23-2, eux, les alliés actifs, c'est Paul Kagame qui alimente cela. Le lot est allié que Tshisekedi Mutualobi, Ezate Lutundula Mutualobi, Ezali Barwande Bango Moko, le parti politique d'opposition et le parti et le groupe armé rwandais, ba opposant, il y a à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, Bango ne basu décision, le lot, il y a pour créer une rébellion. Le force, donc, tout le bakaka, au moins, Afdel a côté qui na Congo, nenge bango peut créer borna bango pour faire partir le régime FPR Oyo, force patriotique rwandaise, Oyo ya Paul Kagame. La goutte qui a débordé la vase aux Ezanine. Ezalis, bonjour, na bonsoir, oh soukoy, Ezali kopé sambote na banya Rwanda, o bazali kokota. Nambo Kanabiso République démocratique du Congo. Bolandi Barwande Bango Moko Bali Koloba, Paul Kagame, Atie Bango na conflit na Bambo Kanyonso. Le peuple congolais et le peuple rwandais, ce sont le peuple frère. Ils vivaient en harmonie Bandakala. Mais depuis 1994, que Kagame a yé, yinde moutoua instauré un système. Y a pour créer un groupe rebelle à la République démocratique du Congo et au Burundi. Pour qu'on s'enrichir, vous allez lire tout. Na troisième page, Tokotien la Bino Yango. Bato Bazana WhatsApp, vous verrez la déclaration. Plus 243-81-717-11-97. Plus 243-81-717-11-97. Bobben Gabi sauter les appels inutiles. Wali Kope Sabino numéro parce que nous avons le souci de combattre les Rwandais sur tous les fronts. De combattre le Rwanda de toutes les manières. Et ouais, tu as dit que ça, là, Bango va utiliser le numérique. Bisopé, tu as dit qu'on utilise le numérique. Nous partageons les formations pour arriver à bout. Il y a régime Rwanda, il y a Kagame Sankinère. La déclaration est là, nous allons la partager ensemble avec Vitesse Télévision et Congo Flash Télévision. Je vous ai toujours dit que tout Tutsi n'est pas M23. Tout de suite, nous sommes Azali pour Baba Kamboyo, Kagame Abandaki Kosalati. Et que le peuple rwandais, c'est un peuple frère. Mais le régime sanguinaire, il y a Kagame, le Lobali Kotiango,
contre mire. Si ce que dit a prouvé à tout le monde, le roi a tout baillé, il y a une preuve que le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Tozali Koba qui s'appelle Ougane. Le roi rwandais, au travers de leur communiqué, Bali ko prouve que toi le bayangonde zali bo solo ba rwandais c'est Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. Ali ko capturer, lisez bien la déclaration. Bali ko décrire ba façon Kagame zali ko créer ba groupe rebelle en République démocratique du Congo et au Burundi. Azali ko captiver, il capture le jeune na bomakasi a continué na bango na est ba mususu ba uta ki kokota lobi na pokwa lelo na tongo na bambo ba bombarder ba confier belé lisusu ba para ya ba jeune wana ba mama ya ba jeune wana ba papa ba jeune wana ils se sont révoltés. Le Rwandais se révolte aujourd'hui. Kagame a oki melawati. Peut-être ma parrain aïe, ma américain, ma la cozoyer. Ou un endroit qu'on a la vie sauf. A aucun de la wapi. L'orge du génocide. Comprendre, chers compatriotes. Excusez-nous, micro, denge boyebi, ba aléa ya direct. Lele bazali ko comprendre que Kagame bazali ko mema bango dans le gouffre, dans l'enfer. Il se révolte aujourd'hui. Le couloir humanitaire va au Fongolango wapi na Uganda, va au Fongolango wapi na Burundi. Bah, Fongolango va pérenne en République démocratique du Congo. Or, Félix Tshisekedi a lobby. Nous n'allons plus construire les ponts, mais plutôt nous allons construire des murs pour protéger le peuple congolais. Ce qui va tonguer mir lelo, Congo et Zali continuent de camisile nango contre les pays agresseurs, le Rwanda. Au sein du Rwanda, Moke Bandi Kopela. La rébellion vient d'être créée. Officiellement, la déclaration de création, il y a rébellion. Force rwandaise et baouti qu'on créé pour lutter contre la dictature de Paul Kagame, pour lutter contre l'oppression de Paul Kagame. Bilia ki Kagame bikoki. Bon, mon place oyo, batwamite mamabe basuka. La politique, quand on t'aurait dit ki Kagame, tu sais qu'elle l'avait donné. Balle de but n'a fait un match. Tu es un partenaire parce que naturellement Rwanda c'est notre partenaire. Ce qui t'a lingi to kota na babuzo babayi politique ti ba opposition. Normalement Rwanda c'est notre frère. C'est un pays voisin qu'on devrait vivre ensemble avec eux dans l'harmonie et dans la paix. Et comme Kagame n'a pas compris le langage de Félix Tshisekedi qui avait opté pour le bon voisinage, le loi Zali qu'on regrettait. Bisika Zali, est-ce que Kagame a la lelo na Kigali? Parce que Zali qui na Riyad, na Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a Kozonga Kigali, toyebite? Est-ce qu'avion ya Kagame qui a atterrir na Kigali, toyebite? Kagame a coquille ma partir ya Riyad, qui ne vendait pas ba toi ba tinda qui est américain. On ne sait pas. Parce que au Rwanda, Eza ya Koinda, le Rwandais ne veulent plus de Paul Kagame. Bana na bango ba koufie belé, ba daye belé. La déclaration est là. Vous aurez la déclaration dans le groupe WhatsApp. Vous aurez la déclaration dans les commentaires. On va vous balancer ça. Popo mona que information zali ko bimana tongo na pokwa bino bozu yango. Tope si bino yango. Qui va encore douter?
qui va encore douter? Santé à Malonga Kaga Mazalaka Nangote. Comme à ta pamba, Jozo Kitamang Mangalinga Koya Yemoko tension. Si quoi, awa et lindi. Au Congo, vous avez suivi déclaration ou Tchoko Salanaria. Je vous ai balancé ça. Alors, tout débordement et affrontement entre FARDC et la M23. Bako supporte Yangote na Rwanda. Balobi bako supporte Yangote na Rwanda. Le loyo na Rwanda ebandina nukopela moto. Le loke na Rwanda moto epeli. Tolingi siko tomo na reaksyo ya Paul Kagame. Toko mona lisusu ranforo ya kotinda lisusu a l'este de la RDC. Po epa na ye moto epeli. Le deux fronts sont ouverts. Tension ya walinga kia koye na descente ya avion wana. Eko koye isaye siko yo na kati ya avion. Asa di kolo. Ao kende wapi. Ne soyez pas surpris à Oyoka que l'espace aérien rwandais a été bloqué. Côté Alger à Kagame qui t'a connu. Qui va encore douter aujourd'hui? Tout ce que je vous ai dit, la création d'une rébellion au Rwanda, il y a un peu de comme on en a, non? Mais là, la déclaration est là. Aujourd'hui, les Rwandais se révoltent pour, contre Paul Kagame. Au moins, ma bé, au Kofu Tango. Si au coup l'obin a dit ce qui bino la fin du régime Kagame s'annonce. Cette fin du régime Kagame vient aujourd'hui de commencer. Kagame na lobaki na tongo, cette guerre rentrera d'où elle est venue. Qui se rappelle de cette phrase? Cette guerre rentrera d'où elle est venue. La guerre est venue d'où? Du Rwanda. Elle rentre où? Au Rwanda. Le Congo aujourd'hui, avec Tshisekedi qui a réformé l'armée, l'armée est montée en puissance, le loyo, l'armée Bakir et Balusi Minduki contre le Rwandais. Oyo bazali kokufa chaque jour. Bao ba kota ki na pokwa, ba kufi na tongwa lelo na bambo. Toutes les positions du Rwanda na bambo détruites. Et là, actuellement, vous verrez que la rébellion qui vient de commencer officiellement, avec une déclaration signée à Moussanze. Moussanze Zawad Ezana Rwanda. Rébellion est bandit dans la province du nord ya Rwanda. Bisiko rébellion est bandit. Après, si on a la précision, cartographie à Bisiko rébellion est bandit. Les Rwandais sont contre ce que Kagame fait en République démocratique du Congo. Les Rwandais sont contre ce que Kagame fait au Burundi. Ils ont appelé au dialogue. Ils ont appelé que Kagame a dit Kabilo Kwazali Kosala, Ayoka Kite, Abandi Kobo Mabango à l'interne. Ba opposant à Yetu Bakoufi. Ba Moussous Bazali na Boloko. Ba Okutu Bakima Bakenda exil dans le pays de la SADC. Ali Kobo Mabango même à l'extérieur de leur pays. Mais les lobbies qui. Monsieur Kagame Bikoki. Actualité à Malonga Yangwana na Ringa qui n'a pas sabino. Bah, on a dit que la situation de Fayulu Tshisekedi. Bon, moi, je suis Fayulu a pensé que Tshisekedi est là. Donc, on est en Golobi. Dans le BC Binoka, bon, moi, je suis Fayulu na Tshisekedi va pensé ni le lot. La CENI. Toloba, Totoloba, t'es. Moïse Katumbi a salé libino moi vidéo kuna na malaika télévision na Lubumbashi bakati 2 minutes ba diffuser ngo na ba réseaux sociaux. Monsieur mon peuple, mon population, lelo batu bazelie na Kinshasa awa na Saint-Anne ya kapesa biso programme na yo Katumbi soki ba voter yo ko sala nini oyebi ke Katumbi ya kimi na ozonga lobi. Ah, politique à Congo, na zonga lobby. Katumbi atindi Christian Mwando Simba. Mwando Simba n'a qu'à représenter programme ya Moïse Katumbi.
Tous les présidents, voire même les petits Ndaka là-haut de l'ICE Sanga, Sali, à la qui se programme na yéawa. Le loi Zali Kotambusa na Twitter, le Congo de la gratuité, c'est le Congo de fainéants. Ali Kotambusa yango. Mais le grand Katumbi ici, l'envoyé des Américains et des Juifs en République démocratique du Congo, quoi pèse Sabango est la République démocratique du Congo? Ah, Kokokate. Ah, Kokate, pour présenter le programme na yé. Atindi Christian Mwan. Mais encore si bien dans la vidéo, on a eu à 2 minutes, on a que dans six mois, on consulte ça, Bitumba est la République démocratique du Congo. Tous les Congolais, Bazela qui est le long à Saint-Anne, Yaka Yabisa Bisso, n'imagine ni on consulte sa guerre à l'Est dans 6 mois. Katumbi Akimi, Azawap, Boye Bissanga Bissika Katumbi Azawap, Atikaliwap, dans le Bumbashi, Nabissika Zali, Ezasoni, Tokutani Lobby. Pona Koloba, élection, le processus électoral. Katumbi, Fayulu, Mukwege, Matata, Delice Sanga, Bango, tous 5 bako se retrouver na Pretoria, en Afrique du Sud. Lobby, na koye bisabino, pourquoi la liko kende kuna? Fayulu a lobby, a concédé. Mukwege, le candidat des Occidentaux. Katumbi, le candidat des Américains et des Juifs. Nani a koti ke la moninga bisika, kona bako koye bango lobby. Le décryptage de l'actualité politique. Ça n'est fini pour ce numéro de décryptage de l'actualité politique. Nazana Essengo, parce que le régime Yakagame est comme Kokende. Il y a qui est Bikoki, Makila Bakongolais et Gangi, ça sent la fin du régime de Kagame. Plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. Jeff Badibanga, c'est mon nom, le communicateur de la République. On se retrouve demain sur la même chaîne à la même heure. Ciao.